Hey, salut à tous, aujourd'hui c'est Jojobug. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je me trouve au niveau d'ici. Là on va aller un peu plus au-dessus. Donc la petite maison qu'il y a au bord de la plage là-bas, c'est là où il y a le pistolet. Juste en dessous, c'est là où il y a le point vert, là. C'est là où il y a l'imprimante. Et nous on doit remonter au niveau du lac. Qui se trouve tout en haut de mon écran où il y a la grotte. On va juste là et normalement c'est là où se trouve l'armure dorée. Allez, c'est parti. Donc là je suis en mode pacifiste, hein. Il n'y aura pas d'ennemis. C'est histoire d'y aller et vous montrer où elle se trouve maintenant. Bon, moi je l'ai déjà récupéré pour les nouveaux joueurs. Il était dit que c'était pas mal de faire une toute nouvelle vidéo concernant le nouvel emplacement. Le nouvel emplacement de l'armure dorée. Donc, il y a eu le fusil de supprimé dans un des endroits verts, donc il faudra creuser, hein, ça sera plus. Là, le point vert où se trouve Kelvin, c'est la lampe. Le fusil, je l'ai plus malheureusement. Il me semble que là-bas, ou alors c'est là-bas. Point vert là-bas, je sais plus ce que c'était. Ah, je sais plus. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait être. On pourra y aller juste après, voir. Ça fait un peu loin. Donc je referai une autre vidéo histoire de ne pas mettre 34 minutes, enfin une demi-heure de vidéo, enfin même 1 heure pour y aller là-bas. Par contre aussi le changement qui a été apporté au jeu, c'est au niveau des durées des journées. Là, chaque minute en réel correspond à chaque minute réelle au jeu, quoi. Allez, on vient de passer 1 minute, donc vous pouvez faire le calcul. Comptez de tête et on passera à 27 au bout d'une minute. Ce qui inflige moins sur la nourriture et tout, t'as moins besoin de manger du coup. Par contre, ça. L'heure reste toujours à 18h. Le 18h10, il fait nuit, terminé quoi. Est-ce qu'il s'agit de l'application fin de ma vidéo triche encore plus facile? Alors ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Mais on peut plus mettre. On peut plus mettre. On peut plus mettre au-dessus du vanilla. Voilà, je vais y arriver. J'étais en train de chercher comment vous le dire en très simple. On peut plus mettre en dehors du. Par exemple, si c'est 10 canettes d'énergie, tu pourras pas mettre 11 canettes d'énergie. Si c'est 10, c'est 10. Tu pourras pas mettre au-dessus du max. Par contre, tu auras le fusil, tu auras tout ce que tu veux, tu auras 1000 balles. Ce qui est déjà pas mal. Donc à chaque début de partie, tu remets avec l'application où j'explique tout le tuto correctement pour l'extraire et tout. Donc normalement, c'est ici. Attends, on va regarder, mais si je me suis pas gouré de lac. Ouais, c'est là.
C'est là, parce qu'avant E2 ils étaient pas là et maintenant ils sont là. Et on a d'ailleurs un nouveau magazine. Donc dans l'application, le magazine là il sera pas ajouté. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils le regardent comme ça. Donc là c'est un nouveau magazine qui a été apporté à l'update. Et l'armure en or se trouve juste dedans. Quand on y va, c'est parti. Que c'est là, ou alors faut plonger peut-être. Ah il faut plonger, ouais. Ça y était pas avant. Ok. Ah oui, avant fallait les sans collision. Ah, tant mieux, hein. Je pense qu'on va arriver bientôt, ouais, c'est en train de remonter. Hop. La lumière aussi reste toujours allumée, même quand bon, on est en batterie faible. Ce qu'il n'y avait pas avant. Donc une fois qu'on a traversé l'eau, hop. On va profiter de ramasser les piles, hein. Donc là, cartouche d'imprimante, on va profiter de boire aussi. Voilà, j'ai pris les Medoc. Même si ça me servait pas à grand chose, donc là, c'est tout. Je regarde des fois que j'aurais raté quelque chose à bâche. Ok. Ok, là la glissade. Et là, on se retrouve encore dans l'eau. Je pense pas qu'il y a de tout caché, on va regarder. Est-ce qu'ils sont doués pour mettre des cachettes? Je change les parois, mais apparemment, il n'y a rien. Ok, bon, ça c'est vu. Normalement, j'ai rien raté. Alors, ça c'est nouveau, ok. Là il y a quoi? Ok. Ça c'est des fois ça peut être aléatoire. Normalement, si on continue tout droit, il y a un peu d'eau, mais flaque d'eau quoi. Je regarde. Donc là, il y a. Ouais, ok. Là, c'est juste de l'embrouille.
C'est juste de l'embrouille. Ok, donc là on continue. Oh, on dirait des pépites d'or. C'est par là. Ça y était pas avant. Pile collectée. Ça, ouais, bon, on s'en fout. Je regarde bien, je préfère retourner voir si j'ai loupé quelque chose. Non, c'est bon. Tiens des médocs, mais rien de spécial. On continue tout droit. Peut-être dû l'enlever parce que ça se trouve elle était juste là en fait, à cet endroit ici. Et j'ai pas l'impression que c'était là. Ils ont fait une grande grotte. Un autre chemin là-bas. Oula. Ah. Là, c'est pas le bon. Ok. Demi-tour. Je visite. Je sais même pas si je vais au. Je suis paumé là. Au bon endroit. Tac. Ah, les grottes, on s'y perd facilement. Me semble que je suis passé par la terre. Attends, on va voir. Oula. Ah, c'est là. Ah, ok, ils te font tout le tour pour arriver là. Chaud ou pas? Vas-y, on saute. Ah, on s'y rapproche. On s'y rapproche. Ouais, normalement, c'est. Ouais, des cosmonautes. Voilà. Et l'armure dorée, elle est là. Sur ce squelette-là. Elle se trouve ici. Voilà, on va aller voir s'il y a d'autres trucs, mais.
Moi je l'ai déjà, c'est pour ça qu'ils me l'ont pas montré. C'était pas cet endroit-là, moi. Voilà. Et vous voyez, aucune. C'est vraiment. Aucune. C'est protection 70%, mais. Vu qu'elle est invincible, elle fout quand même des dégâts de santé. Donc vaut mieux prendre une armure tech. Ça, c'est vraiment pour ouvrir les portes. Donc là, on fait tout le tour en fait. Ouais. Ok, donc faut repasser dans l'eau, je pense. Oh, les cosmonautes là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Elles sont pas collisionnées en tous les cas. Alors passe dedans quoi. Bizarre ici. On ressort par où maintenant? On ressort par où? Tac. Là non. Sortie. Ah. Non, c'est pas ça. Ouais, ce truc. Là, en fait, je fais tout un des tournants en rond, quoi. Ah, voilà. Non, c'est pas là. Oh. Suis paumé. Je déteste les grottes. Y a aucun point de repère. Ah! Ok. Elle est trouvée. Ah ouais, les bonnes vieilles cordes à l'ancienne, comme The Forester. Eh ben. Ah, faut mieux pas tomber de là. Hein. Ouais, ça fait super haut. Là, il y a rien quoi. On vérifie, hein. Non, il y a rien. Ça aurait été trop beau. Ah, par contre, le seul objet qu'il n'y a pas dans le 2 là, c'est le grappin qui permet de t'agripper au mur là. En objet, c'est, je crois que c'est le seul truc qu'il n'y a pas. Bon, après, on a le fusil à pompe et le pistolet paralysant. Avant, on avait qu'une arme à feu. Une arme de pirate là. Tu mettais 4h30 avant de recharger. Donc, au final, elle servait à rien, quoi. Ok, ah, je regarde ce que c'est la première fois que je passe ça. Je suis curieux. Ok. Re-regrappe encore. Des fois que j'aurais pas assez monté. Il y a quoi là? Ah non, c'était mon nom ça. Ok. Je crois qu'il y avait une valise. Non mais monte. Voilà. Ah, une force incroyable, hein, parce que monter à une main comme ça.
côté d'Ox, bon, je suis déjà plein. Là, faut repasser. Bon, je pose dans le trou, hein. Mais pas grand-chose. Peut-être rater des trucs. Stalagmite, stalactite. Stalagmite. Stalactite. Si je me trompe pas. Combien de cordes que je monte là? 5 cordes, non? Ah ouais, puis... En vrai, il devrait lâcher là. Ah mais c'est super haut là. Ah bah là, tu tombes, t'es mort. Pas très très vite parce qu'on sait jamais. Ah, on retombe en bas là. C'est quoi ce bruit? Ouais, puis je peux plus remonter évidemment parce que c'est scripté. Ok, alors attends, il voit rien en plus là-dedans. C'est pas par là. Suppose que c'est là-dessous, non? Oui, ils veulent que je passe par là. Là, y a rien. Ah, ok. J'avais pas vu le chemin. Tac. Ok. On vient de là. Faut remonter par là. Ah, on était là tout à l'heure. Ok. Là, on fait comme si on était en train de faire demi-tour. Wow. Ouais, sol en or. Ouais. Plusieurs passages, hein. J'ai l'impression. Ouais, un deuxième passage là. C'est quoi là?
trouve que c'était pas là encore. J'ai pas l'impression, parce que là on retourne au... Ouais, c'était pas par là. Ok, bon là on refait demi-tour, je préfère, parce que... Retourner où il y a la lumière. Là c'était pour le masque. Allez, monte. Et là, on revient en arrière. Excusez-moi pour savoir souffler. Commence à me brouter, je sais plus où je suis. Pas scénario, restez zen. Et en fait, je viens de faire le tour, quoi. Et là-bas, ils veulent que j'aille là-bas. Alors, c'est peut-être un même passage, au final. Peut-être de l'embrouille, je sais pas. On va voir. Il faut que je mémorise ces pierres, là. On va me dire qu'ils ont fait deux mêmes pierres. Ok, comme ça. Que comme ça qu'on peut... savoir si on sort, si on rentre. Et là, on revient de là. Donc c'est bien ça, j'étais bien. Ah ouais, sinon il y a une autre méthode. Ça, je suis sûr que je vais pas m'y perdre. Voilà. Là, au moins avec la lampe au loin là-bas, je me dirais, là, c'est bon. Astuce comme ça, t'en mets une, après t'en me colle deux. Oh, plus rien là. Ah, mais j'ai plus de crâne, je crois.
Pourquoi ils veulent que je repasse dans l'eau? C'est ça que je comprends pas. Une embrouille. C'est un truc pour tourner en rond. Ok, donc là on vient d'arriver là. On va repasser dans l'eau, obligé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, ils vont rigoler. Pire qu'une femme. Là, ouais. On est déjà passé 490 fois. J'ai même pas fait attention au canapé. Dis-moi que c'est assorti. Alléluia! C'était la sortie, putain. Oh, on est ressorti dans une autre sortie en fait. Ok. Et là, après, de toute façon, tu peux plus. Enfin, par là, tu peux pas y rentrer. C'était pas ça. Pas l'impression que ça y était, cette nouvelle grotte. Enfin, cette nouvelle sortie en tous les cas. On rappelle plus. Donc voilà. Bon bah enfin sorti hein. Vous allez galérer pareil. C'est un vrai labyrinthe. Cette grotte là. Vous êtes rentré, mais pour sortir. On va dézoomer voir. Ouais, elle est quand même très grande la grotte. En gros, elle va de gauche là-bas, la grotte à gauche. Jusqu'à la grotte à droite. Donc c'est un sacré parcours. Sacré, sacré parcours. Voilà, bon bah sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao.